L'actualité ce midi, ce sont encore les suites de l'affaire Orpea et des soupçons de maltraitance au sein des maisons de retraite de ce grand groupe. Alors que les dirigeants doivent être reçus demain par la ministre en charge de l'autonomie des personnes âgées, Brigitte Bourguignon, le directeur général d'Orpea vient d'être débarqué. Bonjour Céline Géraud. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Chef du service société d'Europe 1. Alors, avec cette mise à l'écart, Céline, le groupe Orpea donne un signal, celui que, en quelque sorte, il y a urgence, hein, finalement. Absolument. Et même si Orpea dément les accusations publiées dans le livre Limogé son DG avec effet immédiat un dimanche à 22h55, c'est bien la preuve qu'il y a le feu dans la maison Orpea. Le directeur général Yves Lehmann est donc remplacé par Philippe Charrier, ancien PDG de Procter & Gamble et directeur général des laboratoires Mayoli-Spindler. Charrier était depuis mars 2017 président du non-exécutif du conseil d'administration. Sa mission, garantir que les meilleures pratiques soient appliquées et faire toute la lumière sur les allégations avancées. Le groupe, qui a vu son action en bourse chuter de 50% la semaine dernière, reprend légèrement des couleurs à la suite de ce licenciement, plus 9,6% à l'ouverture de la Bourse de Paris ce matin. En attendant, eh bien demain à 9h15, c'est le directeur général France, Jean-Christophe Romercy, qui va devoir s'expliquer auprès de la ministre déléguée en charge de l'autonomie, Brigitte Bourguignon. Le gouvernement a mené une enquête flash pour disposer d'éléments supplémentaires avant cet entretien et il envisage de diligenter une enquête de l'inspection générale des affaires sanitaires sur les établissements du groupe. Rappelons qu'Orpea, Lionel, c'est un réseau puissant. 1156 établissements pour plus de 116 000 lits et il est présent dans 23 pays, principalement en Europe. Merci Céline Géraud. Bonjour Pascal Chanvert. Bonjour. Merci d'être en direct ce midi sur Europe 1. Vous êtes, je le rappelle, le président de l'association des directeurs d'établissements au service des personnes âgées. Pascal Chanvert. Et de service à domicile. Exactement. Exactement. Cette affaire, Pascal Chanvert, est-ce qu'elle va permettre enfin un vrai changement dans les mentalités de nos dirigeants, dans les politiques vis-à-vis du grand âge ? C'est ce que nous espérons. C'est ce que nous espérons et c'est la raison pour laquelle nous demandons que très rapidement le président de la République se positionne sur cette question et nous lui disons au président de la République qu'il doit et qu'il peut montrer concrètement qu'il est touché par cette situation, qu'il est touché par la situation inacceptable dans l'ensemble des établissements, mais il ne faut pas oublier les services à domicile. Et nous lui demandons dans l'immédiat, et il le peut, de créer 2 postes supplémentaires dans tout établissement et service à domicile de France. Que faire pour éviter les scandales comme ceux dénoncés dans le livre de Victor Castanet ? Il faudrait renforcer des contrôles indépendants, par exemple ? Non. Le problème, c'est pas celui des contrôles d'abord. C'est pas la peine de faire des contrôles pour vérifier que ça fonctionne pas. Il faut d'abord faire en sorte que ça fonctionne. Et comment ça peut fonctionner ? En faisant ce que l'État avait prévu, et il l'avait prévu pour 2012, donc il y a 10 ans. Depuis 10 ans, il devrait y avoir en France 8 professionnels pour 10 personnes âgées à domicile, en établissement, pardon. Et à domicile, il devrait y avoir 30 euros de l'heure pour mieux accompagner les personnes âgées à domicile. L'État a dit tout cela. Donc il faut aujourd'hui que l'État se contente de faire ce qu'il a promis. Quand l'État aura fait ce qu'il a promis, alors à ce moment-là, on pourra envisager des contrôles, c'est-à-dire quand il y aura le nombre de professionnels, donc suffisamment de temps passé auprès des personnes âgées à domicile ou en établissement, alors il faudra des contrôles, mais ces contrôles ne pourront pas être des contrôles par l'État. Il faut que ce soit des contrôles par des structures indépendantes qui pourront y compris vérifier l'action des pouvoirs publics, État et département, par rapport aux établissements et aux services à domicile. En quelques mots, Pascal Chanvert, est-ce que cette affaire a suscité des interpellations de familles ou de pensionnaires auprès des directeurs d'établissements que vous représentez ? Oui, de plus en plus, et nous voyons avec grand plaisir que les résidents et les familles se rendent compte, sauf cas particulier. Il y a une situation particulière à Orpea, et je ne développerai pas, mais dans tous les autres établissements, les personnes âgées et les familles se rendent compte que s'il n'y a pas assez de professionnels, si on ne passe pas assez de temps à domicile ou en établissement, c'est à cause de l'État qui n'a pas fait son travail, ainsi que des départements. Merci Pascal Chanvert, président de l'ADPAD, l'Association des directeurs d'établissements au service des personnes âgées. Merci d'avoir été l'invité d'Europe 1 ce midi.